Vous dites bonjour à YouTube. Salut YouTube, bienvenue sur cette VOD de Half-Life 2, c'est le deuxième épisode. On vous rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le premier épisode, que du coup, on a réussi à amener notre petit Gordon directement sur le petit buggy. C'est ce qu'on a récupéré à l'instant, et il va falloir qu'on aille aider la milice pour pouvoir rejoindre ensuite Cité 17. Les 2200 personnes qui sont avec nous vous disent bonjour, ils vous adorent, hein. Décidément, ils vous adorent, ils pensent qu'à vous. Allez, c'est parti les gars, chargez la partie. Attendez, comment que ça s'était terminé la dernière fois? Ah, tu sais que je me rappelle même plus. Oh là là, j'avais une sensibilité si basse que ça? Attendez, je suis obligé. Regardez, je fais un tour de mon tapis de souris. Ça fait un quart de tour. Je peux pas jouer comme ça, là. Pourtant, je joue avec une sensibilité faible de base, mais là... Voilà. Là, c'est mieux. Là, on discute. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Oh putain, je me rappelle qu'il y a plein de phases où on va devoir... Je me rappelle qu'il y a plein de phases où on va devoir utiliser le... On va être dans des espèces de... Comment ça s'appelle? De tunnels comme ça. Et ça va faire peur en plus. C'est bon les gars, au niveau du tearing? Tearing is back! Ah merde! Attendez. Ça doit être un souci du jeu. Je vais faire un truc. Je vais le mettre en plein écran. Là, ça tire. Et je vais le remettre en fenêtre et no border. C'est bizarre que ça fasse ça. Vraiment, ça le faisait plus l'autre jour. Si je le mets en fenêtre et tout court. Là, il y en a moins en fenêtre. C'est bizarre. Écoutez les gars, si ça vous dérange pas, je vais laisser comme ça. Hein. Ouais, c'est un peu caca. Hein. C'est chiant, dès que je relance le jeu, j'ai toujours un problème. Ouais, allez, c'est pas beaucoup, je suis désolé, on va jouer comme ça hein, les mecs. Hein. Allez, allez. Alors attendez. Y'a pas les bestiaux qui vont m'attaquer là? Ah oui, voilà, il y avait ces trucs là. Donc ces trucs là de souvenirs, on est tranquille du coup. Putain, c'est fermé. Je me rappelle qu'il y avait des zones optionnelles en fait où on pouvait récupérer des trucs. Ah voilà. Ah mais laisse-moi tranquille! On est d'accord qu'il peut pas me choper ici, là. Je pensais que j'étais tranquille, là. Oh putain. Eux, c'est les pires, hein. Viens pas me faire chier, s'il te plaît. Il faut combien de vie pour... Enfin, il faut combien de balles pour les tuer, ces sales cons? Voilà, quand même. Putain, j'ai trop de stuff. Du coup, ça sert à rien, en fait, que je vienne ici. Il y a des trucs là-haut, en fait, à prendre. C'est ça qui me chiffonne. Je vais essayer de monter comme ça, hein. Ça passe. Ouais, laissez-moi tranquille. J'ai horreur de ces bestiaux-là. On va faire un truc, je pense que je vais me le faire au peupon. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Je vais me les faire aux pompes, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ça dégage.
C'est que je déteste les gros bestiaux là. J'ai combien de balles? 6. Ok, il est mort lui. C'est bon, c'est une balle avec ça. Ah! J'ai le son super fort aussi dans les oreilles. Ça va vous le son les gars? Dites-moi maintenant hein, que je le règle parce que... Sinon ça va pas le faire ensuite. Hein. Ouais tranquille, parfait, ok. Où est-ce qu'on va devoir passer là? Ok, ici. Ah, il va falloir qu'on trace, hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, je sais que si. Mais Alix, j'y ai déjà joué un peu, les gars. Bon. C'est pas un jeu d'horreur, mais par moments, ça fait vraiment flipper, hein. Il m'attaque là ou pas? Putain! Ça va être technique, hein. Ok, ça devrait le faire. J'ai déjà plus de balles, hein. On est dans la grosse merde pour la suite. Je sais même pas pourquoi je m'arrête à chaque fois que je vois un truc, parce que si ça se trouve, il y a strictement rien à choper ici. Voilà, c'est exactement le cas. Je vais aller là-bas. Je vais me barrer là-bas. T'as déjà tenté un speedrun de Half-Life 2? Ah, attends, hein. Tu te rends pas compte de ce que c'est, speedrun de Half-Life 2. C'est des jeux qui sont ultra runnés depuis le début, qui... Enfin, depuis qu'ils existent. Et surtout le nombre de techniques de fou qui existent sur Half-Life 2. À mon avis, si j'essaye d'en faire un, je suis parti pendant 3 mois à tryhard. Et encore, hein. Ah, vous pouvez voler. Mais c'est sûr qu'il y a un bugzer là. Culé. Mais attends, mais le bugzer, il se faisait pas manger le cul par, par un bestiau, là? Oh! Oh! Le G-Man! Le G-Man, les gars, il est là! On l'a vu là-haut, il discute avec quelqu'un, ok. Bon bah ça, c'est notre objectif, hein. Aïe! Culé. Ça, c'est notre objectif. Il était quand même un peu plus compliqué à trouver, le G-Man, à l'ancienne. Hein. Il va falloir qu'on fasse le tour par là. De souvenir, vous vous rappelez ou pas à peu près, les gars, combien de temps est dure cette phase? Parce que je crois qu'elle est longue, hein, la phase en voiture. Je crois que ça dure plutôt longtemps. Hein. On va essayer de tracer quand même. De toute façon, je suis obligé de m'arrêter au truc où il y a les espèces de... On va mourir, là! C'est pas possible! Attends. Là, si je descends, je vais canner, non? Voilà, on était sûr. J'ai 95 de vie, faut pas que je fasse le fou. Hein. Écoutez, je pense que je vais simplement pas m'arrêter. Hein. Je vais tracer ma route et continuer. Hein. Sinon, on n'a pas fini. Hein. Si on veut buter absolument toutes les bestioles, là. Ah, et Garry's Mod. Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais... Il y a des mecs qui se sont amusés sur Garry's Mod à changer un petit peu la façon dont l'animation des armes se fait, etc. Du coup, t'as l'impression de jouer à des jeux ultra réalistes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, ils ont fait des modes campagne sur le jeu. Ils ont fait des modes campagne sur le jeu via Garry's Mod.
Et ce mode tactical, c'est peut-être ça. Gordon Freeman. Oui, c'est moi. Vite, filez au sous-sol. On attend des hélicos à tout moment. J'arrive. Attends, laisse-moi explorer quand même. Content de vous voir en vie. Laisse-moi explorer s'il y a 2-3 fournitures à prendre. Ah, mais oui, c'est vrai que là, on va avoir le lance-roquette. Dinguerie, le lance-roquette, vous allez voir. Merci beaucoup, Jojin, pour ton 4e mois d'abonnement. Là, ce qu'il me faudrait, c'est clairement du boubou. Hein. Ça s'appelle SNBox et c'est en cours de dev. Ouais, bah j'avais vu des vidéos de ça, c'est hallucinant. Franchement, que sur Garry's Mod, des gens arrivent à faire ça. Hein. Genre, ça a meilleure gueule que... Ça ressemble à s'y méprendre. À... Vous vous rappelez quand on avait testé à Ready or Not? C'est aussi stylé que ça, en termes d'animation, de trucs, c'est grave propre. Merci Salade de Bit, bah dis donc. Encore une fois, destiné à s'abonner ici. Hein. Merci Salade de Bit pour son prime. Les gars, petit serrage de main à Salade de Bit, là, pour la cuillère comme il faut. Hein. Alors, de souvenir, ça va vraiment être le bordel ici. Hein. Ça va combattre la motte. Ce lance-roquette dirigeable voilà. Est parfait pour descendre les hélicos. Je suis Gordon Freeman, hein. Un moment. Alors, où en étais-je? Ah oui. Utilisez le guide laser pour orienter les roquettes au-delà des défenses de l'hélico et l'empêcher de les détruire. Ça va l'énerver au début. Attendez, on est où, nous? Si vous survivez assez longtemps pour le toucher plusieurs fois, ça vous fera un beau trophée de guerre à mettre sur la cheminée. Alors, qui est le petit vénard qui va le porter au combat? Ah oui, Gordon Freeman. S'il vous plaît, moi. Je vais trouver meilleur volontaire. Voilà. Des sacs à badge à votre service. Bon, ils sont invincibles, hein, de toute façon. Allez, c'est parti! Là, ça va être la galère, hein. J'ai que 100 HP, les gars. Voilà. Et voilà pourquoi c'était une dinguerie. En gros, je vise... Ah putain, il m'a enculé. Je vise l'hélico. Et ça se dirige là où je vise. C'est une dinguerie, hein. J'en ai une munition. Putain, il m'a éclaté le truc. Faut que je retrouve des munitions. J'ai plus que 70 HP déjà. Super. Ah l'enculé, il dévie mes trucs, comment c'est possible? Yo, cet enfoiré. Pourquoi tu dévies mes trucs? Voilà, c'est bien. Allez, vite, 66 HP. Ramasse, pardi. Des munitions. Voilà, ça c'est bien. Éclataxe. Je crois qu'il y en a un autre qui va arriver. Hein. Oh là là, oh, les musiques de fou, putain. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de refaire Portal 2, les gars. Il y a des musiques dans Portal 2 qui sont gargantuesques. Hein. C'est fini? Genre vous êtes fatigué, c'est moi qui ai fait tout le taf. Bonne chance à Nova Prospect, Dr. Freeman. Ah oui, d'accord, ok. Donc ouais, vous comptiez allez-y, vraiment que Dr. sur moi. Freeman, l'avenir ouais. Délivrance dépend de vous. Ça marche, j'y vais. Hein. J'y vais tout de suite. Est-ce qu'on est bien niveau munitions? On va utiliser un peu le pistolet, les gars. J'ai que 150... Enfin, j'ai 150 balles, là. C'est vrai que j'ai le souvenir que c'était long, cette phase-là, mais... Combien de temps ça va durer, je sais pas trop. Oh la vache. C'était technique quand même, la conduite de ce truc-là. Hein. Ça va le tearing, les gars, c'est supportable. Large. Bon, propre. Ah, le but, c'est que ce soit cool à regarder pour vous, quoi, parce que si c'est chiant, au bout d'un moment, c'est pas ouf. Alors, comment je vais faire pour passer, là? Ah, je m'en souviens ici.
Je m'en souviens. Voilà, donc là normalement on est tranquille ici. Voilà, parfait. On est tranquille ici et je crois qu'on a un délire avec un aimant. Voilà, avec ça, avec l'aimant gigantesque. Alors comment on va devoir faire? Je vais le mettre ici. Je vais essayer de pas trop faire le con. Hein. Faut combien de balles pour les tuer? À peu près 7, non? Ouais, à peu près ça, ok. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. Parce que si vous me dites que la phase est vraiment très très longue, le mieux ce serait qu'on passe vite à la suite. Oh putain! Il m'a suivi! Ah! Ça va pas bien là? Qui tire? Ah putain, c'est vrai qu'on va avoir le sniper. Oh, le sniper, ça va être une dinguerie. Enfin, l'arbalète, je crois, c'est ça? Vous allez voir, les mecs, c'était trop trop bien, cette arme-là. BAM! It's high noon! Les sensations de découverte et le level design sont carrément incroyables dans ce jeu. Il y a un univers qui est vraiment top. Mais oui, mais le pire... Enfin, c'est même pas le pire, c'est incroyable, mais... Le fait que, je vous dis, Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2, qui sont du coup des contenus supplémentaires de Half-Life 2, ils sont excellents aussi. Hein. C'est... Peut-être qu'on les fera, franchement, les gars, si ça vous dit et que Half-Life 2 vous aura bien plu. Franchement, pourquoi pas. Alors, étendre le bras... Prendre ou lâcher un objet. Ah, attendez que je me rappelle. Voilà. Maintenant on a ça. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Ah, le mettre là? Merde. Ok, je vais employer les grands moyens. BAM! Putain, je kiffe trop cette arme, c'est la meilleure du jeu. Et maintenant... Il faudrait que je pousse ça, non? Comment je vais me débrouiller? Il faut que je fasse tomber ce pont-là. Attendez, je réfléchis 2 minutes, je vais essayer de remonter pour voir. Ah, la musique, elle est trop bien. La physique du jeu est trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2004, hein. Là, parfait. Je pense qu'on est tranquille. Je vérifie qu'il n'y ait pas des trucs à ramasser. Bon, je suis désolé les gars, c'est un let's play où je suis un petit peu trop dans le jeu, du coup je peux pas trop vous parler et tout. Je suis pas en mode animation animation comme Max Hildan l'aimerait, mais je suis en pleine redécouverte aussi, donc moi je kiffe refaire le jeu. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a là? On doit avoir un bouton pour ouvrir, non? Voilà, parfait. Alors attendez, j'ai récupéré... Oui, parfait. J'ai ma combi qui est à 100% aussi. On est full life, là, normalement, ça devrait être ok. Ah, c'est trop bien. Taïo ! Oh putain, j'ai hésité, mais non, mais le jeu est tellement bien, ça pouvait que être ça, de toute façon. Je ramasse un petit peu des trucs, hein, au cas où. Voilà. Je crois qu'on est bon, on va pouvoir partir. Hein.
Tu n'es pas en 4K. Ah, je le serai jamais, je pense, en 4K. Oh la vache! Boost! Oh la dingue. Vite, vite, vite! Oh sa mère la pute! J'ai plus de munitions. Comment je vais faire? Ici. Non, il a touché. Mais putain, il touche tout! Ça va être technique, hein. Ça lui met des dégâts, ça, ou pas? Ah, j'ai pas l'impression. Allez, poussez-vous. Poussez-vous, pardi. Ah, putain de merde. Rentre! Qu'est-ce qui te bloque, bagnole? Il va péter mon truc, là! Ah, c'est ça qui bloque. Vite, vite. Ah, enculé. Il m'a enlevé toute ma vie, ce bâtard. Attendez, je crois qu'il y avait des trucs à faire, là. J'ai envie de me le faire. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, on est obligé de partir, de toute façon. Je pensais qu'on allait avoir des munitions pour le lance-roquettes, mais non. Voilà. Allez, temps de chargement et on est bon. Ouais, sans spoiler, apparemment, c'est vrai que la fin de Half-Life Alyx laisse penser qu'il y a une suite. Et ça, ce serait une pure dinguerie, hein. Ça dégage. Putain, mais ça bronze les couilles, ça. J'avais oublié qu'il y avait ces trucs-là partout. Moi, ce que je veux, c'est le sniper, hein. Enfin, l'arbalète, hein. Bon, allez-y, chopez-moi. Voilà, on s'en débarrasse à la mano. Ce sera beaucoup mieux. C'était sûr. Explose, pardi! Tu vas péter, oui! Merci. Alors... Je crois que de souvenir, c'était pas la partie du jeu qui était préférée des joueurs, parce que justement, c'est un petit peu longué. Je sais pas pourquoi, mais moi, le fait d'avoir trouvé genre des... À l'époque, quand je l'avais fait, j'avais bien kiffé, parce que... Justement, ça te foutait la pression par intermittence avec le fait de trouver des gardes un peu partout. Ah, même le son qui se met en sourdine dès que tu es dans une explosion, c'est quand même une dinguerie, hein. Merde. Ouais, prendre ça. Je vais reprendre le peupon un peu. Y a-t-il du monde ici, là ? Ouais, ça fait toujours... Ok, y a du monde derrière. Ah ! J'ai peur, ce débile, là. Tu sors d'où ? Ok. Mais, rouvre-toi, pardi. Voilà, on n'en part plus. Ça, c'est mort. On est bon, là? Ok, c'est good. Perso, la partie que j'ai trouvée la plus longue, même si j'adore, c'était Ravenholm. Bah, c'est vrai que quand on l'a faite... C'était quand qu'on y a joué, les gars? C'était lundi dernier? C'est vrai que quand on l'a faite ensemble... Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était beaucoup plus court que ça.
Mais en fait, là, ce qui est bien, c'est que t'as le véhicule, donc... Ça change tout, hein, clairement. Voilà, allez hop. Oh là, oh là, oh là, va pas me faire de dinguerie, on va pas tomber dans le vide maintenant. Oh, dis donc. Ah, donnez-moi des balles de pompe là, mais pas ça quoi. Ouais, Raven, l'ambiance elle est dantesque hein, quand tu le fais la première fois. Et pour être franc avec vous, la fin du jeu, je m'en souviens plus des masses. Vraiment, la fin du jeu, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ah, voilà. C'est de ça que je parlais. Regardez-moi ça. Vous voyez, là. Kungs, tu. Oh, j'ai failli le toucher dans le yep. C'est ça qui est trop bien. Allez, hop, on va jarter tout ça. On va pouvoir passer là. C'est parti. On en était... Alors c'est quatrième, c'est avec le pompe. Ok, ça marche. Alors le crossbow, il est trop cool à jouer. Allez, c'est parti. Désactivons cette putain de porte. Et tu vois, c'était un peu les prémices de ça, genre... Tu comprends avec le level design bah que du coup tu dois te diriger vers la fin du courant électrique pour pouvoir désactiver le truc. Je crois qu'à l'époque il y avait vraiment pas beaucoup de jeux qui mettaient des indices comme ça, mais au moins c'est pas comme dans Horizon Forbidden West où la gonzesse elle te dit, désolé hein, elle te dit tiens le courant électrique a l'air d'aller jusque là-bas, je devrais aller à la cabane pour essayer de le désactiver. Voilà, c'est quand même autre chose hein. Ça dégage. Ah, ah, ah. Putain, ça one shot ça. Oh la dinguerie, je savais même pas que ça one shotait le truc. Je crois qu'on l'a jamais fait. Quand même, un peu de respect là. Bon, j'ai pas fait exprès. Hein. C'était pour rigoler ce tir là. Ok, donc alors maintenant. C'est ce truc là qui fait chier? Peut-être que je l'explose avec ça. Tu sais que je me rappelle plus ce que je dois faire. Enfin, je vais aller voir là quand même. Peut-être l'exploser avec une grenade. Ou alors le bouger avec mon ray gun. Enfin mon... Ouais voilà c'est ça, fallait que je débranche en fait. C'est parti. Tu penses qu'un truc est pas possible, en fait ça l'est. C'est ça qui est trop bien dans le jeu, sincèrement. Oh, pourquoi les éditeurs ont pas pu se développer la franchise, auraient pu se faire Mastude, non? C'est Valve, hein. Après Valve, ils ont pas besoin de faire des jeux techniquement, ils ont Steam, hein. Donc bon. En fait... Attends, je vais baisser un peu le son pour moi. En fait, si tu veux, j'ai l'impression surtout que Steam, leur ligne éditoriale pour les jeux, c'est... On veut sortir des jeux uniquement quand on est sûr que ça va pousser le médium à fond. Genre Half-Life Alyx, voilà, ils ont sorti un jeu VR, c'est le meilleur jeu VR de tous les temps. Ça, y a pas à chier, tu vois. Left 4 Dead, pareil, c'était incroyable. Half-Life 2, pareil, ça a révolutionné les FPS modernes. C'est que ça, en fait. Ils font des jeux que pour bousculer l'industrie, donc... Après, t'as des petits cas exceptionnels, hein, genre le jeu de cartes Dota, bon... Enfin, l'auto-chess Dota, c'était pas ça. Mais 80% de ce qu'ils ont sorti, c'est des classiques. Hein.
Ok, maintenant. Je me souviens plus d'ici. Ils sont bien stoïques hein, quand même. Hein. C'est vrai que j'ai pas fait un petit coup de sniper là, ça serait peut-être pas mal. Il y en a ici, c'est sûr et certain. Ah, j'en ai pas vu. Bon, on va aller voir, de toute façon on est bien obligé puisque je suis obligé de passer. Ah non, j'aurais pu passer là mais... Il y a du stuff à se faire donc je prends. Merde. Putain. Ah, je veux faire des trickshots mais... Oh putain! Mais c'est pas vrai, oui! Tu vas me laisser tranquille, toi, là! Fais que de m'agresser, le mec, là. Je trouve que le 2 apporte une très bonne fin. Bien que je ne cracherai pas sur un nouveau jeu de licence, je n'attends pas forcément. Bah, Portal 3, je pense... Il y avait des rumeurs, non, Portal 3. Après, les plus grosses rumeurs qu'il y avait, c'était Left 4 Dead 3, mais... Je sais pas si c'est vraiment utile d'en refaire un. Là, à mon avis, ils taffent sur Half-Life 3. Ils sont clairement en train de taffer dessus. Et s'ils taffent pas dessus, c'est qu'ils ont rien compris. Ou alors sur le nouveau moteur source. Un nouveau source, tu vois. Mais... Je sais pas. Moi, je pense que c'est très intelligent s'ils font ça. Après, c'est pas sûr que Left 4 Dead 3 soit annulé, hein, parce que... Je vous dis, les mecs, il y avait vraiment des très très grosses rumeurs, on a... ça date d'il y a quelques temps, hein. Franchement, je crois que ça date d'il y a 2-3 ans, mais c'était quasiment sûr qu'ils allaient nous parler d'Half-Life 3, quoi. Ah ! Putain. Ah, le culé ! J'ai horreur de ces bestioles. Elles y sont aussi, celles-ci, dans Half-Life Alyx. Je m'en rappelle plus, parce que... Je vais tomber de mon siège, hein, c'est sûr et certain. Non, parce qu'on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que Back 4 Blood... Bah... C'est pas l'effort d'aide, quoi. C'est vraiment pas l'effort d'aide. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là? Et Crisio qui digère son repas en dessous, là. Attendez, il y a des trucs à aller chercher, là, c'est sûr. Half-Life 3, non, mais rêve pas. Je dis juste que... Je dis juste que... Ah ! Alors, comment on va faire ? Je dis juste que Half-Life 3, ça semble plausible... Grâce à la fin d'Half-Life Alyx. Bon. Voilà, faut qu'elle est au bout d'un moment. Bon, on s'est niqué absolument tout. Ah ouais, s'ils nous font un Half-Life avec un personnage secondaire, genre en mode Barney et tout. Voilà, par contre, ce serait catastrophique. Nous, on veut revoir Gordon. C'est bon, vous avez fait Half-Life Alyx. On joue Alyx. Très très bien. J'aimerais bien revoir Gordon, quand même. Ah, donc c'est là qu'on doit passer? Putain. Je m'en rappelle pas de ça. Je vais quand même aller voir là-haut. Ce passage me dit strictement rien. Oh, ça y est. On a une musique de fou. Ah ! Oh, ça sent l'hélicoptère, ça. Oh oui, ça pue, ça pue, ça pue. Oh, que ça sent mauvais, cette histoire.
Pourquoi ça tremble comme ça, là? Ah, mais non, il y a un métro en dessus. Ah! Je me fais sucer. Et alors vous là, je vais en faire du pâté ces trucs là. Hein. Putain, je me rappelais même plus de cette zone là. Attendez, on va plus reprendre la bagnole là. On dirait une zone optionnelle. On dirait clairement une zone optionnelle. Ça me chiffonne là. Ce qui était trop cool avec ça, c'est que ça les accrochait aussi. Merde. Tu vois, ça les accrochait au mur et tout. Dinguerie, dinguerie. La sensation de puissance avec cette arme-là... Mais ça, ça, rien que ça! J'ai fait tomber des trucs dessus, Ikan! Putain! C'est une dingue. Y'a ça dans combien de jeux au juste? Je suis désolé, mais... Quasiment 20 ans, le bordel, il est... Il est comme neuf. Mes flickshots, ils sont pas là, hein. Va falloir que je les retravaille, hein. C'était plus impressionnant quand on était à Ravenholm, hein. Alors, où est-ce que je vais aller? Ici ou ici? C'est de là qu'on vient. Il y a toujours des trucs à choper quand tu fouilles. Je vais essayer de faire un flick avec le crossbow. Je suis obligé de le tuer avec ça, du coup? Bon, c'est pas possible, là, tu te fous de moi. Ce jeu est incroyable. Je suis bloqué. Allez, on se soigne. Merci beaucoup, Nerbu, pour ton Prime. Eh, les gars! On lui sert la paluche à celui-ci, il est nouveau. Merci beaucoup, mec, ça fait plaisir. Ah, les bâtards, les bâtards. Comment que je vais faire? Oh la malchance! C'est le même film que l'autre fois! Oh non! Mais je peux plus bouger là, les gars! Oh! Mais il m'arrive toujours les mêmes trucs là! Bon, heureusement. Heureusement, je reprends ici. Bon, ça va, ça va. On reprend pas trop longtemps. Mais il m'arrive strictement les mêmes choses à chaque fois, hein. La dernière fois, on s'est bloqué avec l'hydroglisseur. C'est toujours la même merde. J'ai pas de chat. Je sais pas si je tente de... Tenter un trick shot. J'étais pas loin. Voilà, ok, d'accord. Bon, voilà, là je suis arrivé à temps. J'étais trop rapide pour le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, les gars? Y'a pas de munitions là? Super, une. Vous pouviez pas faire mieux. Je vais essayer de refaire un trick shot.
Approche-toi de moi, mon pote. Ok, allez, je pensais qu'il allait à droite. On va courir, c'est pas grave. Allez, on commence. On sait ce qu'on a à faire de toute façon. C'était pas du GG du début à la fin, je suis désolé. Tire-moi sur la gueule, vas-y. Ok, je crois que j'ai touché. Quoi ? Ah, je refuse là. Putain, il est stoïque quand même pour tenir après une balle de pompe dans le nez, lui. Je vais prendre un petit peu. Eh, hey, mais c'est méga. C'est rien, les gars. C'était que mon genou. C'était que mon genou. Bande de trou du cul, va. C'était mon genou. C'était mon genou, Twitch. Quand même. Oh non, il y a des trucs là pour moi. Je vais canner, hein. Non ! Il faut vraiment mourir. Ok, c'est bon. Le petit enfoiré. Peut-être sauvegarder, non? Voilà, on sait jamais. Je vais pas mourir ici. Voilà. Et par contre, j'ai pas compris ce que j'ai activé, hein. J'ai vraiment pas pigé ce que j'ai activé, là, les gars. Où est-ce que ça va nous mener, cette histoire? Genre, il y a un pont qui s'est ouvert? Je me rappelle plus du tout. T'as jamais voulu faire un stream avec Sir Thomas? T'aimes les jeux anciens, il est ancien. T'aimes Dame Evelyn aussi, lui aussi. Ah bah c'est possible, mais bon. Je crois que Sir Thomas, il aime bien faire ses streams tout seul, donc bon. Je vais pas le gêner, le petit Sir. Hein. Mais en tout cas, je lui fais des gros bisous. Je refuse là. Je te finis au doigt, moi, j'en ai rien à foutre. C'est bon là, on peut partir? Voilà, tout de même. Du coup, qu'est-ce qui était bloqué en fait? C'était la porte bleue, c'est ça? Pardon ? Ah ! Oh ! Au secours ! Non, il me reste... Ok, c'est bon. Je pensais que c'était derrière moi, là. Oh, le stress, sa mère la pute ! Je suis désolé, les gars. Crise cardiaque. Ah non, mais moi j'étais certain que c'était derrière moi. Du coup, je me suis dit, ok, je trace. Ok, donc là c'est fermé. Faisons un peu l'état des lieux des munitions là. Parce que, ok, ça va. Ça va à peu près. Ça aussi. Ce qui me manque, c'est du magnum. Ah, il me faut du magnum, les mecs, hein.
J'espère qu'on va en trouver bientôt. Ah ouais, ok. Je me rappelle de cette... Je me rappelle de cette phase-là. Ça va être un labyrinthe pas possible, je crois. C'est le Ravenholm numéro 2. Ok. La musique est super rassurante, comme d'habitude. Les gars, j'en ai une bonne. J'ai regardé le stream d'Hugo Délire et j'ai cramé. Ah, refaites-la chez vous, hein. Refaites-la chez vous, bien sûr. Quand vous voulez, les gars, quand vous voulez. Oh, le bâtard. Faut arrêter de faire ça, hein. Vas-y, je t'ouvre la porte. Voilà, ça dégage. Oh putain. Oh putain. Regardez, il y a l'autre là. Usain Bolt là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça, ça dégage. Il y en a un autre! Le bruit qu'ils font, ces sales cons, il est terrifiant, franchement. Attendez, il y a encore un autre chaîne. Ok, c'est bon. Je pense que ça va... Ah, ça va jeter une petite greu. J'ai tué personne avec la grenade. Hein. Ça a été bien efficace. Je suis allé ici ou pas? C'est de là que je sors, non? Ouais, c'est bon. Et là, va falloir faire le ménage. Je crois qu'il y en a un milliard des faces comme ça en plus sur la route. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est pas la seule fois hein, où on va devoir faire ça. Hein. C'est vrai que ça m'avait un peu saoulé, ça, je crois, à l'ancienne. On va voir, hein, peut-être que ça va aller beaucoup plus vite ici, mais... Les cris qu'ils font... Si, je crois qu'il y a des bruits qui sont utilisés pour le Hunter de Left 4 Dead, si je dis pas de bêtises. Alors, prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ah, ah, ah. Ça sent le refuel de munitions ici. Oh oui, je m'en rappelle. Je m'en souviens de cet endroit. Putain, mais j'ai des réminiscences du passé qui... Qui se pointent. Ouais, je trouve que quand même l'ambiance elle est folle du jeu. Je sais pas, mais... À l'ancienne, quand j'étais petit, quand je l'ai fait sur The Orange Box, sur Xbox 360, ça m'avait captivé, mais... J'ai fait ça vraiment toute la journée, hein. Je l'avais fini one shot, le jeu. Hein. Ah, c'est fermé de derrière. Ça, c'est bon. Me dis pas qu'il y a rien à récupérer, là. Ah, c'est bon. Ça y est. Les chromosomes, là. Laissez-moi tranquille. Les hémorroïdes de Damien, là. Bon, je vais me barrer de là. Bon, on n'aura pas ramassé grand-chose, mais on prend quand même. Hein. Ah, les chromoles qui collent, là, c'est bon, ça dégage. Hein. Des gens aiment regarder Gotaga. Arrête Coco, je peux pas, je suis... Regarde Hugo chez qui joue à Fly 2. Oh putain. Oh, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je branle ici? Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a des boucs d'air là. Ah, je t'ai entendu toi. Hein. Vous avez vu le petit flic là? Petit flic shot? Et regardez-le lui. Voilà, hop, ça dégage. Oh la vache. C'est vraiment un plaisir de streamer pour vous les gars, de vous montrer un petit peu comment jouer la technique là. Ah, j'ai même pas besoin de vie parce que je suis trop fort en fait. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici ou pas? Je peux y aller, j'y vais hein. Non, y'a rien du tout. Je pense que de toute façon l'intérêt c'est d'aller là-bas, non? On va voir. Ça me donne envie de rejouer à CSGO. Hein. Enfin, à un jeu compétitif parce que... Je sais pas si je dois réessayer Valorant parce que CSGO, j'ai refait une game il y a pas très longtemps et... Je sais pas, je trouve ça long maintenant les games de CSGO. J'ai l'impression d'avoir 55 ans, ça m'épuise au bout d'un moment. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais peut-être attendre qu'il ressorte sur Source 2 pour pouvoir retâter. Oh! Putain de merde. J'aime vraiment beaucoup Valorant, quoi, donc... Ce serait pas un camp gentil, ça? C'est un camp cool ou c'est un camp... Oh. Oh non, ok, d'accord, ok. Allez, hop. On va encore se faire marronner la gueule. Et il se barre, lui. Du coup, je l'ai attaqué pour rien. C'est une possibilité, ça aussi. Ce son-là, il est incroyable. Hein. Le sound design du jeu, de toute façon, c'est une dinguerie. Oh là, une énigme. J'ai pas signé pour ça, moi, les gars. Hein. Bon, me spoilez pas sur l'énigme. Hein. Je vais essayer de la faire comme un grand. Non, pas la planche. Voilà, et ça. Ça dégage. Alors, comment que je vais faire pour pouvoir débloquer le bousin? Je regarde quand même si j'ai pas 2-3 trucs à ramasser, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ça, c'est pas du verissure, hein. Bon, le camp de Kenji, là, comment que j'en sors? Est-ce que... Je vais tester des trucs, là. Ah, il faut que je récupère des batteries. Et ouais, il nous faut des batteries. Bon, il y en a une là, déjà. Et la prochaine, où est-ce que je vais la trouver? Peut-être dans l'autre baraque, non? Ah, là-haut, je la vois. Sauf que, comment veux-tu que j'y aille? Oh, j'ai une idée. Si ça marche, c'est dinguerie, hein. Peut-être un peu jeté loin. Ah ouais, les grenades glissent. Bon, c'est pas ça. Je vais devoir la choper avec ça direct. Ok, j'ai une idée. Et du coup, la batterie est restée là-haut. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre dans le coin? Ah bah voilà. On était d'accord que c'était une... Elle est... Ok, bon, c'est elle qui est tombée alors. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Ah bah il y en a plein, il y en a plein. Ok, 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 bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, parce que ça m'aurait...
un petit peu blessé, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on soit obligé de tout recommencer. Et du coup, est-ce que je peux le bouger ce truc-là avec mon Gravity Gun? Ça m'étonnerait. Veux-tu que je passe là? Attendez, me v'la baiser, non? Ah non, par ici. On va essayer, hein. J'ai peur de faire une bêtise. Ah non, c'est bien ça. Okay. On peut le faire. On y pense, on peut le faire, donc tout est bien. J'avais oublié. Bah en vrai, je crois qu'on arrive pas loin de la fin, non? De cette partie-là. Dites-moi si je me trompe, les gars, mais je crois que... Je crois qu'on arrive pas loin de la fin de cette partie-là. Là, je crois qu'il y a un autre camp. Voilà. Là, c'est un camp des gentils, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Camp de résistants, il va y avoir une méga fight. Bien joué. Merci. On capte un signal radio, il cherche votre voiture. Garez-vous dans le garage. Ah, directement. Ah bah ça, bien urbain. Mais j'ai pas fermé attends. Il y a un chemin secret par la falaise, mais on ira nulle part avant d'avoir contré cette attaque. Ils ont vraiment fermé la porte sur ma gueule, hein. Ça va requinquer les troupes. Allez, c'est parti. Oh merde. Voilà les vaisseaux. Attends deux secondes, faut que je boive un coup tout de même là. Allez, c'est parti. Là, ça risque d'être costaud. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien aimé trouver des munitions avant de combattre, là, parce que... De souvenir, c'est quand même assez costaud, le fight. Ça y commence déjà. J'aimerais bien des munitions de lance-roquettes, hein. J'ai juste envie de ça, moi. Putain, y'a rien. Ah! Parfait. On a des greux. La musique. Ok. Bam. Ça dégage. Ça explose ça ou pas là? Ça m'étonnerait. Où ça? Où ça, des munitions? Je vais essayer d'aller voir là-bas au fort, là. Je crois qu'il y en a à côté. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Bon, ok, j'ai... Un lance-roquette, enfin, un lance-patate, et ça va pas me suffire. Hein. Faut vraiment que je trouve des trucs de lance-roquette. On a de la vie. J'ai trois lance-patates. Voilà! Voilà! Allez hop, ça c'est bon. Où est-ce qu'il est le vaisseau là? Bah les petites bites! Oh putain. Ah! Bon, je l'aurais eu avant. Je vais aller là-haut. Direct. Comme ça au moins je récupère des munitions et on est bon. Ce sera ma strat, hein. Je pensais que ça passait, hein. Sincèrement, là, Gordon, les pieds en polystyrène, c'est plus possible. Voilà. J'arrive, les mecs, j'arrive! Tenez bon! Wouhou!
Allez, vite, 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 on a plus le temps là. Voilà, top. Est-ce que je peux exploser un vaisseau ou... Je peux peut-être l'enculer, hein. Ouais, ça marche. Ah, mais il s'en va. Petite bite. Oh, la petite bite. Je peux pas y croire. Ah. Ah. Dans la bite. Voilà, ça c'est bien. Et tu vas mourir, oui. Oh, je te vois pas, toi. Voilà, on est bon. Il y en a d'autres. Vas-y, dépose-les, tes troupes. Tu vas voir ce que j'en fais, moi. Je pense que je peux l'exploser, hein. Il est en train de fumer, le bousin. Eh ben voilà. Eh. Il y a plus personne dans ton truc, là. Oh merde. Bon, allez. Direction, on va sur le terrain, les gars. C'est bon. J'ai envie de les déloger, là. Plus jamais ça. Adieu les cons. Un vaisseau, il arrive sur la route. Oui bah on a vu, merci. Hein. Excuse-moi mais moi je tape depuis tout à l'heure, hein, au cas où, mais... Voilà, ça c'est fait. Vas-y, tire-moi dessus. Bien ça. Alors, ils sont où les ennemis là? Oh non, ça a pas pété! C'est bon là? Je crois que j'ai pété le truc où ils sont censés se dropper. Ah putain, il y en a d'autres. En fait, j'aurais mieux fait de rester là-haut en fait. Hein. J'arrive pas à comprendre la strat du combat là. Je vais remonter là-haut, hein. Je pense qu'on sera, les meilleurs du monde là-haut. Au cas où, même si j'ai encore pas mal de vie. Voilà. Ça, ça dégage. Mais vous allez nous laisser tranquilles, les gars, on est des honnêtes citoyens, là. Bon, allez, hop. Ça va se finir aux pompes, cette histoire. Ah, y a tous les gens de la milice qui vont canner par ma faute, là, parce que je suis pas présent à leur côté. Ah. Ah. Merci pour les munitions. C'est bon, vous êtes de passage, et regardez l'autre qui pointe le bout de son museau, là-bas. C'est pas vrai qu'on va encore se faire emmerder? Ah putain. Ah l'enculé, il est en train d'avoir tous mes trucs. Oui bah merci, j'avais compris. Encore merci pour ces informations. J'avais pas compris, espèce de trou du cul. Ah lui c'est la flèche de la bande, c'est Gunkujo, hein. Ils vont m'emmerder, hein. Mais c'est incommensurable, là. Voilà, allez. Encore 2-3 et ça devrait le faire. J'ai plus de vie, hein. Je suis vraiment dans la grosse merde. Oh doux Jésus. Il n'y a plus de vie.
Bon, je fais un choix ballsy. On va essayer de le faire comme ça. J'ai 2 HP. Je crois que c'est bon en plus. Oh la vache! Sur le fil, les mecs, hein. On a failli y passer là. Trousse de secours. Par ici, Dr. Freeman. Prenons ce chemin avant qu'un autre hélico nous trouve. Où elle est ta trousse de secours? Elle est où? Elle est où ta trousse de secours, brigand? Je suis mort par le range dossier! Le trieur là sur le bureau il m'a tué! C'est quoi cette histoire là? Je me suis fait tuer par la règle MAPED là qu'il y avait sur le bureau? Tu te fous de ma gueule là, j'espère. Par ici, Dr. Freeman. Prenons ce chemin avant qu'un autre hélico nous trouve. Et ta trousse de soins, elle est où? Mais. Mais il va voir. Ben oui, mais donne-moi de la vie, non? Qu'est-ce qui m'a tué là, là-dessus? J'ai rien compris. Très bien, Dr. Freeman. Suivez-moi avant qu'un autre arrive. Mais continue, au lieu de redire toujours la même chose là, espèce de bouffon! Il veut pas me donner de soins. Hein. Oh la vache. Alors là, on s'en tire avec 2 HP. Les mecs, je pense que s'il y a une crotte de nez de dead crab c'est qui nous tombe là. Dessus... Et soyez prudent. Et ta trousse de soins? Ta trousse de soins? Trousse de secours. Merci. Encore? T'as pas l'impression que t'es plein de trousse de secours? Du soin? Ah voilà, merci quand même. Ah putain, le radin, mais c'est pas possible les mecs, hein. On est censé être une équipe, hein. Et tu m'amènes où, au casse-pipe, là? Il y a intérêt à ce qu'on trouve... C'est pas vrai, je vais encore me faire emboucaner, là. Il y a des headcrabs, ok, je vais pas faire le fou. Ah, heureusement que je vais redemander de la vie, parce que sinon c'était compliqué pour la suite, hein. Ok, bon. On s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Oh, et là, ça sent du coup le petit... la petite phase avec les insectes. On va pas être dans une prison aussi à un moment, je me rappelle plus. Non, on est en moyen de Django, je crois. J'ai pas mis en élevé. Ah, voilà. Vous là, arrêtez-vous là, sur les rochers. Pas sur le sable, ça énerve les fourmilions. Bougez pas, Laszlo. Non, allez! Non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ah bah non, mais je suis pas sur le sable! Bon bah, Laszlo. Il en reste plus des masses, hein. Mais tu peux pas m'attaquer là normalement. Et si? Putain, j'y comprends rien. Ah si, c'est juste qu'il faut pas les réveiller sur le sable en gros. Bon, de toute façon, vous allez être mes amis dans très peu de temps les gars, donc... essayez de quand même pas me bouffer le troufignon parce que... Vous allez voir que... Je peux vous être... D'une aide fort utile. Je vais y aller, hein, je pense. Hein. Mais je suis plus sur le sable, là! Mais je suis pas sur le sable! Bon. Bilan de l'opération, j'ai perdu encore plus de vie que j'en avais avant d'aller chercher d'huile. C'est super. On n'est pas dans la crotte là. Normalement ça devrait le faire, mais bon là si...
Voilà. Si je me fais avoir encore une fois, là, on n'est pas bien. Attendez, je vais aller... J'essaie de pas faire le con. Oh putain, j'ai plus de munitions de ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Ouf, oh la vache. Putain, tendu le bousin. J'essaie de faire de mon mieux, hein, mais... Là, j'ai besoin de vivre vraiment... Ah, parfait. Ça, c'est parfait. Ça passe, là ? Ok, y'a rien d'autre ici. Je retourne là. Alors, on est forcément baisé là, je vois pas. Ah non, ici. Ah si, je suis baisé là. Ça passera jamais. Oh putain, ça passe. Voilà, mon karma, ça marche. Toujours fermer sa gueule, Hugo, hein. N'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah putain. C'est un jeu de plateforme maintenant les gars et c'est pas très bien étudié pour, donc j'essaie de faire de mon mieux mais ça devrait passer. Merci Nico Quark pour ton deuxième mois. Les gars, re-signature de contrat, vous lui cirez la paluche à celui-ci. Hein. Ah merci. Ah merci, mon arme préférée. Merci beaucoup Chalet pour ton fric. C'est bien urbain de ta part. Alors ça donne envie d'aller le chercher quand même. Hein. Je sais qu'il y a moyen. Il y a moyen en plus. Ok. Voilà, parfait. En plus, on a des munitions de Magnum. Laissez-moi tranquille. Ah voilà, je suis dans la bite. Au secours. Mais c'est la gare du Nord ou quoi, là? Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien fait, les mecs, là. Oh, vous me cassez les couilles. Ah, je peux même pas me servir de ça, putain. Putain. Oh, la galère. Bon, au moins, il y a un truc là-bas qu'on va pouvoir activer pour pouvoir empêcher qu'il nous emmerde. Seul truc que je me demande, c'est quoi la façon la plus safe d'y aller? Putain, c'est un oiseau, ça m'a fait peur. Ok. Voilà, ça passe. Courant électrique, là. Voilà, là on est bon. C'est bon, on peut souffler, les mecs. Ah, j'avoue que la vissing ferait du bien, là. Alors, les gars, on a essayé... même depuis le dernier épisode, on a essayé. J'ai l'impression que j'active la vissing ou pas. Ça changera strictement rien, donc malheureusement... V-Sync activé, fenêtré sans bordure, fenêtré plein écran, rien ne marche, donc... Malheureusement, vous êtes obligé de vous taper le let's play comme ça. Je suis désolé. Il y a des trucs là-bas quand même, hein. Oh merde, je suis trop con.
Non. Ça va être technique là. Je sais pas si c'est vraiment utile ce que je fais, à mon avis. Tiens, on va voir. Il va y avoir des Kinder Bueno là, là-dedans. Voilà, super, c'est plein. Eh ben, c'est pas grave, on se sera entraîné, c'est déjà ça. Eh, je suis chaud quand même, hein. Et là, normalement, on est tranquille. J'ai dit normalement on est tranquille. Voilà, ça ça dégage la racaille. Vous en voulez d'autres là? Bon, je vais me barrer hein. Allez, je me barre. À la foutre. Je vais m'en débarrasser. Les autres peuvent pas passer, donc c'est nickel. On a des trucs à ramasser là, et on va pouvoir continuer. Je check ici quand même, au cas où. Allez, c'est bon. Et putain, ma petite bagnole, elle est où ma petite bagnole? On la retrouve ou pas plus tard, la bagnole? Je crois que c'est fini, non? Ah, c'est l'heure du schmilblick. C'est l'heure du schmilblick. Et d'où tu sors, toi, là? Je crois qu'on la voit plus la bagnole. Hein. Je sais pas si là je me fais chier à tout faire bien ou si je cours. Hein. Sincèrement. Et il me semble que c'est vraiment pas loin qu'on récupère. Ah, oh, il va falloir courir. Non, là, je peux pas. Je tente un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sur une pierre, hein! Oh putain, il a un projet. Oh, il a un projet néfaste pour ma personne, là. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Je me barre, c'est bon. Aïe, quelqu'un qui m'aide! Tire sur le gros méchant, là! C'est bon, c'est terminé là? Oh, j'avais oublié qu'il y avait des mères porteuses. Oh putain, j'allais tirer dessus. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Freeman doit suivre. Oui, bah le Bugzer doit attendre, par contre. Oh la vache. Le Freeman serait sage d'observer notre extraction de théropodes aromatiques du myrmidon. Le procédé n'est pas tout à fait hygiénique. Éloignez-vous. Et en français? Les ferropodes seront utiles au Freeman sur son chemin. Ah, voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir s'en servir des petites bestioles. Ça, c'est ouf, quand même. Il y avait tellement d'armes différentes dans le jeu, c'était trop bien. En français, ils sucent les cadavres. Comment ça, ils sucent les cadavres? Fourmillons ne vous embêteront plus maintenant. Ça marche. Oula. Oh là là. Il fait pas beau être un mili. Un... Je ne jure que par les ferropodes moi-même. Ah bah tiens, on s'est réveillé d'un coup là. Oh, ils sont gentils au cas où. Hein. Galunga. Pas du stuff à récupérer là. Oh, les nouilles chinoises, j'ai faim.
J'ai une faim de loup là, les mecs. Hein. Continuez, Dr. Freeman. Nova Prospect n'est pas loin. Je vous ai déjà vu. Il ne survivrait pas longtemps. Je vous ai déjà vu il y a 15 mètres, monsieur là. C'est une autre histoire. Le Freeman nous honore de sa présence. Pas pour longtemps, hein, je vous rassure. J'ai des choses à faire. Hein. Il va m'entraîner, c'est ça? Je crois que c'est ça, non? C'est que ça. Le Freeman va maintenant apprendre l'usage des Ah, voilà. Apprenez à dresser les fourmilions avec cet appât à insectes. Le Freeman va maintenant sortir une théropode et la lancer dans cette fosse. Ah, c'était pas bien compliqué en même temps. Hein. Appelle-moi con pendant que tu y es. Je crois que c'est vraiment une arme, je m'en suis. C'est l'arme dont je me suis le moins servi du jeu, je crois, quand je l'avais fait à l'ancienne. J'ai oublié que j'avais ce truc-là, alors que c'est quand même puissant. C'est bon là? Mais il n'y avait pas une mécanique un peu similaire sur l'autre, enfin sur Half-Life 1? Le Freeman a encore chié dans son ben. Faites bien attention. Appuyez sur la théropode pour signaler aux fourmilions de vous suivre. Le Freeman faut pas trop bien ça. Maintenant, il doit dire adieu au Freeman. Nova Prospect se trouve juste après. Retenez bien cette leçon. Nova Prospect. Il prend sa grande confiance en vous. Oui, on peut pas l'utiliser partout, voilà, c'est ça. Voilà, il m'ouvre. Attendez, Nova Prospect, du coup, qu'est-ce qu'on a après? Je me rappelle plus. On va... C'est la prison, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Là, ça va être technique aussi. Hein. Il y a tellement de gardes ici. Tu m'attaques pas, toi. Voilà, on a une armée avec nous, ça va être trop bien. Là, ce qui est chiant, c'est que eux, du coup, ils peuvent pas passer ici. Donc, je vais être obligé de désactiver tous ces trucs-là. Allez, venez. Ah, ça va être galère là. Je me rappelle qu'on se fait tirer dessus par une mitrailleuse de loin, je crois. Eux là. Là, on va se faire tirer dessus, non? Prends un petit peu de munitions. Putain, la musique elle est tellement bien. Poussez-vous là, les bestiaux! Ok. Je vais faire le tour. Je vais me débarrasser de lui parce que sinon il va tuer tous mes fourmilions. Putain, non, mes fourmilions, laisse-les tranquilles! Il n'y a pas d'autres là, on est d'accord. Et ça, c'est désactivé maintenant? Oh putain. Putain, il les a eus là, le bâtard! Faut partir de ma famille maintenant! Culé. Voilà, ça dégage. Venez mes petits fourmilions. Rapprochez-vous. Ah là, ça va être galère.
C'est quoi ces trucs là? On va tellement galérer là. Oh putain. Aïe 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 aïe. La grenade dans la gueule. Bon bah il s'est tué avec sa grenade ce débile. Je vais canner, je suis mort. Voilà, c'était technique quand même. Hein. Vous allez les laisser tranquilles là? Ils vous ont rien fait ces mecs là là. Voilà, bande de cons. Ils sont encore vivants. Hein. Ils respawnent à l'infini ou pas les mecs? Je m'en rappelle même plus. Je sais plus s'ils nous aident tout le temps ou... Enfin si, il y en a toujours 4. Ouais, ils respawnent. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on en a toujours 4 et puis... déjà suffisant. On pourra pas aller là-bas du coup. Attends. Ah non, j'ai plus de munitions de ça. Ok, on va devoir faire le tour. Allez, venez les mecs. Elle est trop bien cette séquence. Ah! Allez, aidez-moi les fourmilions là. Putain la vache, le bordel. Oh là là là, vous faites un travail de roi là. Je vais aller là-bas. Ah mais le jeu est incroyable hein. S'il y en a qui connaissaient pas là, vous allez kiffer hein, c'est sûr. Rien à récupérer. Bah, et pourquoi ils faisaient ça là? C'était quoi? Vous avez vu ce qu'ils ont fait ou pas là? Il était en mode Zumba le mec là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris là. Ils étaient en mode Zumba. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait hein. Allez, venez les gars. Ça va être compliqué, mais... Ok, ça c'est bon. Allez, venez, 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 on suit. Je me souviens plus combien de temps ça dure la prison, si c'est long ou pas. Pourquoi les aliens sont gentils? En gros, j'ai récupéré un truc sur leur mère qui me permet de les contrôler, tu vois. Alors, je crois que c'est mort, ils vont plus venir. J'ai récupéré ça sur leur mère qui me permet de les contrôler, en gros. Yo boy! Help me! Et voilà, j'ai plus de fourmilions. J'en ai plus. Putain. Attends, comment que je fais pour monter là? Hein? Ah! J'ai oublié que le jeu était intelligent. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe! C'est sincèrement à m'emmerder. Faut mourir! Il veut pas! J'ai une boulette! Bon, j'aurais jamais dû faire ça. Mais je vais mourir là! Par où que je passe là? Putain, ils me font peur ces cons-là, là. J'ai l'impression qu'à chaque fois ils veulent m'agresser alors qu'en fait ils sont avec moi maintenant. Ok, c'est par là qu'on monte.
C'est par là qu'on monte. Gordon. Voilà, merci. Ah, oh putain, il m'a fait tomber ce qu'on a. Il est où? Il est tranquille, là. Oh la vache. Oh la crise cardiaque. Eh oui, Thibaut. Eh oh, qui c'est qui joue à DayZ, hein? Alors là, tes remarques, hein? Pouette camembert, hein? Ah, ça parle chinois maintenant, hein? Mec qui joue à DayZ et Euro Truck Simulator sur son ordinateur qu'il a payé 2000 balles et il ose dire ça. Ça parle chinois, hein? De la sorte. Voilà ce que tu dis. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Ah merde. Les boogzers. Attends, mais comment veux-tu que... Je vais pas pouvoir les tuer là. Ça c'est bon. Qui me tire dessus? Mais putain! Attends, mais comment qu'on va effectuer le... Il y a du stuff que j'ai manqué quelque part? Ouais, peut-être plutôt que je passe ici, non? Oh, c'est une histoire qui pue, ça! C'est une histoire qui pue, c'est une histoire qui pue, c'est une histoire qui... Ah! Ah bah non, pas là! Mais pas là, les gars! Pas là! Il me t-bag là? Tu peux mourir? Ou pas? Ah, et puis il manquait plus que ça! Mais je suis obligé de charger l'ancienne là. 15h43. Ok. Comment on va faire? J'ai plus de sniper. J'ai des grenades. Je sais pas comment on va faire. Utilise les foufous. Bah ouais, mais... Ils vont pas aller là-haut, si? Ah si! Ah si! Ah! Ah bah ouais, vous avez raison. Moi, je pensais qu'ils étaient... Je pensais pas que c'était possible. C'est bien, les gars. C'est bien. On continue. Oh, ils sont efficaces, ces cons-là, et... Parfait, cette histoire. Parfait. Ça va péter. Ah, c'est bien efficace, hein. Ils sont vénères, les foufous, là. Ah, je pensais pas que c'était ceux aussi. Merci pour l'astuce, hein. J'avais totalement oublié le fait qu'ils pouvaient faire ça. Mais qui me tire dessus, là? J'ai plus de balles. Ça va être technique. J'ai 31 de vie.
du boubou à côté. Bon, ça va nous faire du bien, mais... je pense que ça va être très très vite compliqué, là, si on essaie de continuer comme ça. C'est bien, ça. Laissez-moi! Toi, tu m'emmerdes, là! Ouh! Mais je suis mort, là! Mais je suis décédé! Putain, ça va pas être facile, je vous le dis, moi. Soigne. Je vais sauvegarder ici, comme ça au moins on le refera pas. C'est bon? Ok. Poussez-vous les mecs. Ça c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a encore dévié mon truc! Ah, j'ai plus de boulettes. Arrête de me tirer dessus! Putain, l'enculé! Arrête! C'est bon, là? Il y en a deux! Oh putain! Oh putain, je vais venir à la maison, là. Ok, ça c'est bon. Maintenant, la petite sœur. Oh putain. Je commence un petit peu à me courir sur le Harry Cut. Je suis dans la poubelle! Je suis dans la maison de Grim Cujo, là! Mais c'est pas vrai! Oh, et puis vous, là. Voilà, allez, hop, ça dégage. Encore un? T'as un éclair au chocolat dans ta gueule, là. Et la petite sœur? Voilà. Putain! Oh, la vache, c'est pas donné à tout le monde, hein. Putain! Eh ben dis donc, je me rappelais pas de cette séquence, hein. Qu'est-ce que ça va être la suite, là? Oula, je sens que je vais me faire agresser dans un coin sombre, là. Bon, allez, c'est toujours rassurant, ce genre de truc. Petite pépite de chocolat dans le froc, là. Ok, la zonze. Le Hebs. La zonzon, j'en ai aucun souvenir. Je sais juste que c'était compliqué. Il y a des énigmes à la con avec les fourmilions, justement, mais... Je pense que là, vous allez vous rendre compte du QI 243.
j'ai plus de vie là. Oh oui, c'est vrai qu'il y a les putains de tourelles aussi. Ça, ça va être chiant. Ok, nickel. C'est bien, les fourmilions, ils s'occupent de ça. De la vie, Dieu merci. Allez hop. Je sais même plus ce qu'on fait dans la prison en fait, les gars. Scénaristiquement parlant, c'est quoi la justification? On a un truc à récupérer dedans, non? Mais... Ah oui, vous avez raison, sauvegarde. Avant que j'oublie. Ah oui, sauver Ellie, c'est vrai. Bonjour. C'est Gordon Freeman. Ça va nous servir à quelque chose, ça, ou pas, parce que... Non, non. Allez vous faire enculer au bout d'un moment. Non, mais non, non. Ça, ça dégage. On me malmène, hein. C'est devenu invivable. Pas mal, ça. Technique de speedrun, les gars. Vous savez à qui vous avez affaire, de toute façon. Alors, attention à pas se faire sucer. Bah. Le karma habituel, bien sûr. Là, cette fois-ci, c'est quand même très très fort. Hein. Je l'ai fait pile au bon moment. J'en ai marre de vous! Vous me cassez les couilles! T'es pas touché là? Oh putain. Plus dur que les gardes lui, hein. Ouais! Attendez, par où que je passe là? Par là? Ok, on vient d'ici. Là, on est bon. Bah, pourquoi ils sont tout canés là? Et mes fourmimi? Putain, non, ça me sert à rien là. Ah, c'est par là que je dois aller, c'est par là. On va pas tenter le speedrun de Half-Life 2. Ah, c'est tellement technique le speedrun de Half-Life 2, les gars. Avec le bunny hop et tout. Je pense que vous vous rendez pas compte, hein. C'est une blague, là. Il voudra pas tomber, ce con. J'ai plus de balles, hein. Voilà, et les secrets, ça me connaît. De toute façon, dès que, bah oui, c'est le petit truc où dès qu'il y a le petit logo d'Half-Life, tu peux y aller. Ah, franchement, je suis curieux d'aller re-regarder le speedrun d'Half-Life. On avait fait un speedrun dessus avec Thomas, mais dans mes souvenirs, c'était incroyablement technique. Donc, je sais qu'il y a Biwix. Qui a fait, qui était à Speedon. Qui a fait la run de Deathloop et qui avait aussi participé au Barrier Speedrun Show. Oh la vache. Au Barrier Speedrun Show sur Portal, qui le fait quoi. Donc ça marche, je pue, c'est pas drôle. Blague notée, ne sera pas réutilisée. Oh putain.
Ok, c'est bon. Ça va me donner des fourmilions ou pas, là? Ah! Tu crois que je t'avais pas vu, toi? Allez, ramène-toi là! Non mais oh, c'est moi ta nouvelle mère maintenant. On va peut-être devoir passer par là, non? J'explore un peu quand même parce que j'aimerais pas rater des vivres là, on n'a pas beaucoup de trucs. Hein. Alors, on vient d'ici. Oh, je pense que c'est là-bas que je dois aller. Hein. C'est bon, c'est là que je dois aller. Ah! Sonnez, les gars, hein, avant d'entrer là. Il me bloque, ces débiles. Je me fais slice la bite. Je suis mort là. Ah, j'ai été gourmand là. J'ai été trop gourmand. Allez-y. Allez-y les gars. Vous bloquez pas parce que sinon on n'y arrivera jamais. Mais faut faire quoi pour que tu tombes? Mais laissez-les tranquilles! Laissez-les tranquilles! Ouvre! Attends, mais... Par où qu'il faut passer, là? Oh la vache. Attendez, on vient d'ici. Là, d'accord? Ah, ici! Ça, ça dégage. Oh non! Oh la coucouche! La coucouche! Il est complètement cané, le pauvre, là. C'est bizarre, quand même, ce qu'ils lui ont mis, hein. C'est bon, là? On a tout ce qu'il faut? Ah, munitions magnum, ça, je prends. Bon, poussez-vous, les mecs, là! Vous prenez de la place! C'est pas les plus dégourdis, quand même, hein. Ah, faut peut-être qu'on aille ici. Ah! Ils sont cons. Oh là là, oh là là. Oh les collègues! Oh les collègues qui sont cons! Bon, je vais essayer de tirer dessus à distance. J'en ai mal aux couilles de ces conneries là. Ça m'en fait mal aux couilles, hein. Ça m'a quand même fait des dégâts. Bon, allez-y, allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? On n'est pas entouré des plus intelligents, hein. Oh!
Non mais poussez-vous aussi les mecs là. J'ai besoin de ramasser des trucs là. Aïe 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 aïe. À voter. C'est bon là? Voilà, ça c'est ouvert. Maintenant il va falloir qu'on fasse gaffe parce que je crois qu'il y a des tourelles plus loin. Putain, cette arme là n'empêche, il n'y a pas à dire. Oh, j'ai la bouboule! On l'a pas essayé la bouboule encore. Vous allez voir, c'est stylé. Alors, malheureusement, c'est. Mais c'est quoi ce boxon? J'en peux plus là. Ça bouge pas. Comment veux-tu que je passe là? Eh, ça commence un peu à m'emmerder ces histoires là. Faut que j'explose le bousin là. Comment on va faire? Comment que je vais faire pour me débarrasser de ça? Regardez, ça tient encore debout! C'est par quelle magie? Ça a l'air d'être bon. Oh, les enculés. J'ai 19 HP. C'est terminé encore pour moi. Qu'est-ce qui nous empêche de passer là? Un câble là-bas. Mais je suis con ou je... Ah, ah. Ah. Bah oui. Bah oui, bah c'était bien. On voyait bien hein. Attends, je vais finir en pâté et naf là. Attends. Oh, oh non, ça passait. La planche. Oh. Ah oh, j'ai eu peur que ça me découpe, que ça me reslice. C'est bon là, c'est fini. On est tranquille là. Oh la vache, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Allez, ramenez-vous les gars. C'est bien, ça croque. Oh le bordel. Merci le gros du 69 pour ton sub, c'est gentil. Alors. Poussez-vous les mecs! Putain. Oh, 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 ça va sortir du sol, je le sais. Attention à pas se faire exploser la guilde. Ah voilà, c'est bon. Eh ben dis donc. Mais c'était une sacrée aventure là, hein.
Ah oh. Mais n'y allez pas, n'y allez pas. Oh, ils sont cons eux aussi là. Oh, il y en a qu'un qui tombe. Voilà. C'est bon. Je suis désolé les mecs, hein. Je suis à fond dedans, mais... On va peut-être y arriver un jour, non? J'en peux plus des fourmilions, là. Barre-toi de ma route ou vraiment ça va mal se terminer pour ta famille. Allez, voilà, on se pousse. C'est bon, au bout d'un moment. Ah non mais j'étais assez sympa avec vous, là, les gars. J'ai plus que 20 HP. Ok, vous êtes prêts? Il est midi. Il est l'heure de manger. Voilà. C'est bon. Bon, là, je vous cache pas que si on n'a pas de vie dans les minutes qui suivent... Oh, les crises cardiaques, j'en peux plus, là. On est mal barré. Ça sent mauvais, l'histoire, là. Ah non, non, non. N'y allez surtout pas, les mecs, là. Y'a un truc à récupérer ou pas, là? À l'attaque! Je sais pas si je dois aller de l'autre côté ou continuer ici, en fait. J'ai pas l'impression. Oh, putain. J'ai 15 HP, qu'est-ce que je fais? Bonsoir! Mais je te l'avais dit, Arthur! Je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Oh, ils sont cons, hein. Ah ! Oh là 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 là. Allez, allez, je me soigne, comme ça c'est bon. Mais qui nous agresse encore, là ? Y a aucun répit. Oui, oui, on va sauvegarder. Ah bah, bien sûr qu'on va sauvegarder, vous vous en doutez bien. Attendez 2 minutes. Cette catastrophe là, et Claude Con qui parle, on sait même pas qui c'est. Oh la vache! Ok, on progresse, on progresse. On n'est pas déjà venu ici? Quelque chose. Putain, je suis désolé les mecs, hein. J'étais à fond dedans, mais là... Question de vie ou de mort, hein. C'était le truc le plus compliqué qu'on ait fait depuis le début du jeu, là. Ah, et puis Gordon, il met 10 ans à récupérer ses armes aussi dans les paluches. Mais vous êtes en train de m'attaquer avec les sommiers! Mais arrêtez! Mais putain! Mais qui m'a donné des bras cassés pareils? J'ai perdu 30 HP par votre faute, là! Vous restez là. Vous restez là. Voilà, hein, les gars, c'est bon. Ok, bon, maintenant.
Arrête! Oh, y'a 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 y'a. Cessez de m'agresser. J'ai 14 HP. Poussez-vous de mon chemin! Pardi! Ça va être très technique, hein. Oh, j'en entends encore. Allez, allez-y les gars, vous attaquez, s'il vous plaît. Oh la catastrophe. Voilà, ça c'est bon. Non ! Ah, désolé. Il me faut de la vie là, pardi. J'ai 30 en combi. C'est pas assez, hein. Je sais pas comment faire. Merci Boulizor pour tes subs offerts, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je jette une greu, non ? Oh, je suis en stress pour la suite là. Je sais pas si je sauvegarde ou si je temporise. Oh la vache. Oh ! Ah, ça y est, je me fais embourber là. Je vous laisse attaquer les gars là, j'en peux plus. Il y a encore des... Oh là. Ça passe là? Oh! Il y en a là aussi? Il y en a là aussi? Mais quoi? Ouais! Non! Putain! Je savais pas qu'elle pouvait tourner sur elle-même, je pensais que c'était que. Je vais pas y arriver. Oh là là là. À l'attaque. J'étais à 1 mètre d'huile. Bah, je pense que je vais essayer de refaire la même strat, hein. Je vois pas ce que je peux faire d'autre en fait, donc. Quel con. Oh, ma sensi ! Ma sensi ! Ma sensi ! Pourquoi elle est comme ça ? Oh, oh, oh. Pourquoi ma sensi elle a augmenté d'un coup là ? Je suis sur Quake 2 là ? Attendez, il y a un truc qui bug là. Je sauvegarde. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, je vous cache ça vite fait. C'est parce que je suis allé sur mon bureau du coup. Et là, si je fais retour dans Half-Life. Ah, c'est bon. Alors, je crois. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, ok. C'est bon, j'ai sauvegardé les gars. Je crois qu'on a réussi. Enfin, attends. Je crois qu'on a réussi, je dis ça, mais en fait. C'est là que je dois aller, non? Comment qu'on y accède? Par ici?
la daronne. Je suis pas prêt à ça, moi. Je vais caler. Ah putain, ça m'a explosé dessus. Ah putain, tu fais mal, bouffonne. C'est pas possible, celle-ci, là. On a réussi ? Les gars, je me chie dessus. C'est bon là ? Non ? Oh, j'aurais pu me barrer, c'est ça que t'es en train de me dire. Oh non, je le prends mal si je... Oh, j'aurais pu me barrer. Oh yeah ! Merci Boulizor ! Merci Boulizor pour tes 5 subs offerts, c'est gentil. Merci à Amzi, Agonizia, Krios, Crossbred et Lagueuse. On a un producteur encore sur la chaîne, les mecs. Merci beaucoup, c'est gentil. N'hésitez pas à le remercier, les gars, si vous avez reçu quelque chose de sa part. Hein. Oh putain, je suis content d'en être sorti. Oh, je suis content d'en être sorti. Quel bordel c'était, la vache. Là, normalement, si je m'abuse, c'est... Oula, c'est retour à Cité 17, non? Oula. Oula, oula. Oula, 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 oula. Je crois que c'est ça. Il fallait que j'aille dans l'interstice. Ah, je suis pas le plus malin. Hein. C'est bon là? Je suis hors d'état de nuire, je pense. Non mais moi, il y a une connerie à faire, je la fais, hein. Vous êtes au courant de toute façon. Ok. Oh, il y a un train. Alex! Alex! Il y a un truc qui est tombé sur mon bureau là, ça m'a fait super peur. Arrêtez. Très convaincante. C'est moi! Ah putain, ça me fait plaisir de te revoir. Vous soyez encore entier. Mon père est quelque part là-haut, dans cette zone de détention. Ça va être dur de le sortir de là. Sortons d'ici. Allons-y, Alix. Je te fais confiance. Mais là, ma sensi a grave augmenté, les gars. Il y a un problème. Attendez, je vais la rebaisser une game, hein. C'est bizarre. On était à combien? 0,38 quand on a... Ouais, je vais peut-être augmenter un petit peu, c'est abusé là. Ça me semble un peu mieux. Ok, c'est bon. Putain, mais alors là, la prison, mais... J'avais vraiment pas le souvenir que c'était aussi chiant, hein. Si technique, hein. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ça me dit rien qui vaille. Préparez-vous. Alors, attendez, parce que... C'est pas fini ? On peut pas se poser 2 minutes, Alix. Sincèrement, là. Moi, je demande des vacances, là. Ok. Par ici. Je te suis. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah, je vais aller dans la capsule. J'accéderai à leur système de sécurité. Maintenant, trouvez mon père. Le bouton d'EPI de ta souris ? Bah non, j'en ai pas de bouton d'EPI sur ma souris. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. Ces pauvres gens. Oh. Là. Ok, je... Ah, leve-la, le daron. Ah, je me rappelle plus du tout du jeu à partir de là, en fait. Là. Il est en chemin. Rejoignons-le.
Ok, mais par où là? Parce que c'est fermé. Ah, ok. Sur ta Logitech G Pro, si. Et non, je t'assure que non. Ah, voilà. Suivez-moi. On voit un bouton pour les DPI là. J'ai le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ah. Oh pardon, Alix. Je suis envoyé la boule dans la gueule. Ils sont de l'autre côté, les ennemis, Alix, hein. Ah non, peut-être pas. Moi, je pense que c'est dans G-Hub qu'il y a un truc qui s'est désactivé et que du coup, ça m'a mis ma sensi... ça m'a changé ma sensi, c'est tout. Il devrait être ici. Je vais ouvrir ça. Ah putain, mais j'essaie de me rappeler, mais c'est impossible pour moi de me redire vers... comment ça va se passer ensuite. Il est là. Dans la capote, là? Elle est vide. Okay. Ah non, il est là, je le vois. On voit les petits cheveux grisonnants, là, poivre et sel. Les boutons sur les côtés, ils sont peut-être bind. Non, 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 non. C'est page suivante et page précédente, les gars. Vous inquiétez pas, c'est pas ça. Je pense que c'est parce que j'ai fait un alt-tab sans le vouloir tout à l'heure. Alix, Gordon, c'est vraiment vous. Vous m'avez retrouvé. Papa, ça va? J'en ai fait des aventures pour vous retrouver, hein. Vous devez sortir d'ici. On va te sortir de là, papa. Ne vous en faites pas pour moi. Sauvez-vous. Non, on ne te laisse pas. Je peux peut-être recalibrer le portail du cartel pour sortir d'ici. Mais tu iras où? J'ai parlé au docteur Kleiner. Ça tiendrait qu'à moi, on le laisserait là, le vieux. Il va canner dans pas longtemps, de toute façon. On arrivera là-bas. Si ce n'est pas le cas, ça peut pas être pire. Ça n'en vaut pas la peine, Alix. Alix. Sauve-toi tant que tu peux. On ne part pas sans toi. Si, 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 si. Un point, c'est tout. On ne peut pas laisser Judith... Oh, le doublage pourri, en plus. Un point, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement, papa. Je voudrais que tu ailles au téléporteur. Ce n'est pas un adieu, papa. On se retrouve là-bas. Je n'en doute pas. On se voit là-bas, ma chérie. Allez, mon vieux, là, tu dégages. Ça dégarpille, là, la vieillesse. On n'a pas besoin de toi, hein. Voilà, allez hop. Au revoir, papy. On te reverra pas, hein. Sortons d'ici. Oh, la catastrophe du doublage français. Ok. Ok, ça marche. Vas-y, je te suis, je te suis. Je retourne à la base de sécurité. Je me connecte à la radio de votre combi. Attendez que je vous contacte. Bah. Et prenez soin de vous. Je m'en... Eh, ne prenez pas froid, bon courage. Je m'en barre tout seul. Ah, je m'en barre... Je me rebarre tout seul, là. Attends, mais c'est pas possible. Elle en a vraiment rien à foutre de moi. Ah. Hé, ça marche. Je vais tenter de vous dégager la route. Faites attention, Rossman. Je guide mon père le plus loin possible dans la prison et je vous rattrape. Ça marche. On n'est toujours pas sorti de la prison, du coup. Oh, dis donc. C'est quoi, ça? Eh, on me la fait pas, moi, celle-ci. Putain, je savais pas qu'il y avait des trucs cachés là. Oh. Oh là là. Oh, le Five Head. Oh là 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 là. Eh, les gars. Il y en a là-dedans, hein. Est-ce que c'est là qu'on doit passer ou c'est... Attention, Gordon. Oh non, 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 là... Juste devant. On n'a pas fini, hein. Le jeu, il est pas fini du tout. Ah putain, comment je vais faire? Voilà, c'est bon. Oh, ça va, l'aimbot, là! Mais c'est chiant! Voilà, allez, hop. Ça dégage, ça. On en est pas loin de la sortie de la prison, par contre, les mecs. Parce que là, ça commence à faire, cette histoire, hein. Putain, y a certainement un truc à faire, là. Je peux pas passer, là.
Peut-être que j'aurais dû y aller avant, je sais pas. De souvenir, c'est bientôt fini, mais... Ok, ils arrivent. Ouah ! Il renvoie. Merde, merde, merde. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça, là. Ça m'emmerde, ces trucs-là. Comment veux-tu que je fasse pour me défendre avec ça? Attendez, j'ai envie de tenter quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, mais... Ah. À mon avis, c'est peine perdue, hein. Je vais voir, hein. Putain, ça marche. Putain, ça marche. Ah non! Putain, ça marche! Mais pourquoi j'ai pas... Ah! Il était derrière le bureau de l'accueil, lui! Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Non! Mais pas maintenant! Ah, oh, je recommence. Dis donc, ils sont solides ceux-là. C'est bon ? Je vais essayer de le refaire, mais doucement cette fois-ci. Voilà. Ça risque d'être compliqué, les mecs, hein. Faut pas que je bourrine. Bourrine. Il continue. Merci Bouli pour tes 5 subs. Merci beaucoup, c'est très agréable. C'est bien urbain de ta part. Merci beaucoup mec. Un producteur sur la chaîne les gars. Allez, j'essaie de le refaire. Ça s'était plutôt bien passé. Y'a pas de raison que ça marche pas. Ils arrivent quand même à me toucher. Hein. Non, 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 mais d'où tu sors? Mais putain! Le mec, il est pas invité! J'en peux plus, hein. Je pensais qu'on était tranquille, hein. Ah, le truc qui nique. Autant que j'aille dedans, hein. En vrai, la prochaine fois. Hein. Je vais même pas me faire chier, je pense. Ouais, faut que je m'utilise. Faut que j'utilise mes greux, ouais. Tellement bien cette arme. C'est vrai que j'ai pas utilisé ça sur... Je suis con, si ça se trouve ça pourrait m'aider, non? Je m'en suis pas servi de ça. Ah! Merde. Putain, si! Ça fait quelque chose ou pas, les gars, le... Ça fait quelque chose ou pas, les gars, les grosses bouboules sur les mitrailleuses, là? I have some doubts.
comment que je vais faire là? Je peux rien faire du tout là, si. Grenade? Ah ouais, putain. Non, le jeu est quand même bien. Il n'y a pas à chier, les gars. C'en est, ça, de l'intelligence. Quand je pense que le jeu est sorti en 2004, je trouve que c'est une putain de dinguerie, quand même. Il va y avoir des trucs à choper, là. C'est pas possible, autrement. Il y a un peu d'abus là quand même sur la détection là. Je pense qu'un autre groupe de soldats approche. S'il te plaît, Alex. Ben oui, ben j'essaie de le faire. Une tourelle? Ah! Mais oui, je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Le tower defense du jeu, là, j'avais oublié ça. Allez, hop, c'est parti. Allez, je vais essayer de faire gaffe. Ah oh, putain, la vache, ça va être galère. Hein. Ça va arriver d'où, là? Dégage. Je crois que ça va durer longtemps en plus, hein. Ah, la vache. J'aide un peu les tourelles parce que j'ai pas envie qu'ils les détruisent quand même. On est bon là? C'est con que j'en ai pas plus. Pour l'instant, c'est une déculottée, hein, la vache. T'as ainsi dit que tu te chiais dessus quand tu sors de chez toi. Pourquoi il dit ça? C'est faux en plus. C'est juste que dès que je mange, j'ai envie de vomir. Voilà, ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai. Là, il n'y a aucun souci. C'est marrant de la part d'un mec qui habite à Paris pour sortir et qui sort peut-être aller 4 fois par an. Oui, c'est lui qui dit ça alors qu'il a le côlon le plus instable que je connaisse. Oh, il a pas froid aux yeux celui-ci, je vous le dis. C'est bon là? C'est fini? Oh! Putain, m'a fait peur la conne. Ça m'a pris tellement de temps. Je vois que ça a l'air d'aller. Je vais pas dénoncer des trucs sur lui encore parce que sinon après il va venir chouiner, il va me dire pourquoi t'as dit ça, etc. C'est pas gentil. Je vais rien dire parce que sinon il va encore faire boubou. Big Boo Baby, hein. La voilà. Une minute. Comment elle a... Rapport de notre zone. Je n'appelle pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous aviez promis de ne pas toucher à Ellie. Oh mon dieu. Des soldats ont fait un excès de zèle, c'est vrai. C'est qui déjà celle-là? Trop important pour qu'on le libère. Surtout en l'absence de Gordon Freeman. Vous auriez eu Freeman si vous aviez eu la patience d'attendre mon signal. Nous n'étions pas sûrs que vous arriveriez. Ah, le doublage! Ah, le doublage! Elle ne peut pas dire ça! Comme je voulais. Attends, mais c'est la meuf qui nous a aidé au début, celle-là, non? Vous ne pouvez pas. J'ai connu le docteur Vance bien avant vous, ma chère. Je me rappelle plus laquelle c'est. C'est celle qui nous a aidé quand on est allé prendre le. Quand on nous a installé la mitrailleuse sur l'aéroglisseur, non, c'est ça? Ce n'est pas la peine de discuter, docteur Mossman. Je vous en prie. Désolé, Judy. Ah oui, 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 c'est ça, c'est quand on est dans le labo, t'as raison. Mais comment elle a pu faire ça? À
Allez, Gordon, il faut vraiment y aller. Continuez, je sabote le prochain niveau de sécurité. Qu'on lui donne un Oscar, s'il vous plaît, là. Là, c'est... Oh là là, j'avais oublié tout ça, là. Là, les mecs, il y a des récompenses dans le jeu vidéo au niveau du voice acting et de la motion capture. Je comprends pourquoi il n'y a pas eu de word de ce côté-là. Hein. Ça, c'est une catastrophe. Hein. Là, on arrive à Citadis. Là, c'est bon, je crois, les mecs. Ce qu'il y a, c'est... Oh, c'est devenu une genou cam. Tiens, Alibaba. C'est pour toi, là. Le petit trésor, c'était mon genou, les mecs. Je vous l'ai déjà dit, hein. Mais un jour, par contre, c'est sûr et certain que vous allez voir l'escalope. Hein. Ce jour-là me fait bien peur, quand même. Oh là là, putain, je me rappelle plus de ça. Merde. Comment qu'on va faire? Alors, je me fais sucer et j'arrive là. Ouais, ça le marche. Bon, de toute façon, je peux pas aller ici. Ça, c'est une certitude. Merci Fux pour ton deuxième mois d'abonnement. Les gars, serrage de main en bonnet du forme, s'il vous plaît, pour Fux. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors attention. Ça passe là? Oh, oh là, ça c'était beau. Alors ça, si c'est pas du speedrunner. Putain, mais attendez, dans ma tête, il n'y avait pas tout ça. Normalement, on a terminé. Ça sert à rien de toute façon d'aller ici. Ah, on va avoir affaire encore aux autres bouffons qui crient comme pas possible là, qui font... Si c'est ça, je démissionne hein, par contre. Hein. Merci beaucoup chérie U pour ton troisième mois d'abonnement, c'est très très gentil. T'étais à Speedon toi, non? Eh ben non, j'ai pas pu y aller cette année malheureusement. J'ai eu un petit empêchement. C'est pas grave, j'irai l'année prochaine. La salle de Speedon cette année, ça avait l'air trop trop bien. Oh les bâtards, putain, on va encore m'emmerder longtemps. Et quand est-ce qu'on y sort de cette putain de prison de mes deux là? J'en peux plus. J'ai l'impression que c'est interminable. Oh, alors là. Oh, me dis pas qu'il y a encore un mode Tower Defense. Oh non, si c'est encore ça. Donc Terra ne dit pas un point. Non, mais ça n'a aucun rapport. Mon intestin, le fait que je sois pas allé là-bas. Hein. Ça n'a aucun rapport. C'est pas par rapport à ça, les gars.
Attends, je comprends pas ce que je dois faire là. Il y a un script à activer quelque part. T'aimes pas ces passages là? Ah non, j'aime pas, c'est chiant. Rester dans un endroit et pas pouvoir en partir, c'est, en général, c'est pas ce que je préfère. Ah merde, qu'est-ce que je dois faire? Pas un câble électrique à casser, quelque chose? Vu qu'Alix elle me parle plus en fait, je vois pas trop ce que je peux faire. Ah, vous pensez que c'est la tourelle les mecs? Genre ce serait le script de il reste une tourelle du coup. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ça hein, franchement. Non, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est sûr. Ou alors c'est un bug du jeu. Attendez que je réfléchisse des... Ah bah putain, vous avez raison, c'était ça. C'était un script. Bon, au moins on a de la vie encore. Putain, il a fait tomber ma toile. Elle me tire pas dessus. Bon. Tenez bon jusqu'à mon arrivée. Alors, les tourelles, ça va être simple, là. Bon, toutes les tourelles sont mortes. Il va falloir qu'on la joue fine. C'est que s'ils viennent d'au-dessus, au-dessus, ça va être compliqué. Hein. Préparez ces tourelles. Mais je ne peux pas, Alix. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y en a plus, des toutous. Putain, qui me tire dessus, là. Les tourelles. Oh, le gameplay. Putain, mais je suis un dieu là par contre. D'autres soldats arrivent, Gordon. Putain la vache. Il y en a un là-bas, je crois. Ah non, pas ça. Les Thermomix là. J'entends là. Ramène-toi Fambou là. Putain, mais y'en a combien des ennemis là? Sérieux? Putain. Ça dégage. Oh, c'est pas vrai, encore! Ah putain, et Half-Life Alyx, il y a autant de phases de gun comme ça aussi, les gars, ou pas? Parce que... Ça doit être chaud, n'empêche, en VR d'enchaîner. Vers la fin, il y en a pas mal. Ah, en même temps, en VR... Oh! Alors ça, le petit flic... Ah, ça, c'était une dinguerie, ça. Ok, Gordon, je vais m'arrêter ici, puis je vous rejoins. Je fais au plus vite. Ah, c'est bon, c'est terminé. Ça va pas bien, là? Il m'a enlevé les trois quarts de ma vie, là. Alors par contre... Ah ça y est, elle est là, l'autre bouffonne. Elles sont satisfaisantes par contre. Bah... J'ai vraiment peur en fait que... Par rapport à Half-Life 2, il y a quand même beaucoup de phases où bah tu tires sur des gens, vous avez vu quand même, hein, depuis... Surtout aujourd'hui. Oui, j'arrive. Depuis aujourd'hui, le nombre de phases où on a fait que de tirer, où c'est que de la phase de combat cache-cache... J'espère qu'en fait, dans Alyx, au bout d'un moment, c'est pas que du... Tu te balades...
Et tu fais des énigmes, quoi. Parce que j'étais vraiment pas allé très loin, donc... Je pense pas, ça m'étonnerait, mais... Faut vraiment que je m'entraîne... D'ailleurs, faudra que vous me disiez, les gars, si vous avez des trucs... Non, c'est un bon mélange, ok. Faudra que vous me disiez si vous si vous connaissez des trucs qui permettent, en fait... Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que... Quand je suis en VR, hop, bah, je joue machin VR... Et que sur mon bras, bah quand je montre mon bras, je sais pas, dans un certain angle, j'ai le chat qui s'affiche et le retour, tu vois, du live. Ça, je sais que c'est possible, j'avais vu AlphaCast le faire. En vrai, je peux envoyer un message à Alpha pour savoir comment il avait fait. Ouais, je crois que c'était ce dont j'avais entendu parler au VR Toolkit. J'enverrai un message à Alpha pour savoir ce qu'il a utilisé. Parce que vu qu'il l'a déjà streamé plein de fois, il doit bien savoir ce qui est le plus optimisé pour. Au moins, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai un PC de stream, je perdrai aucune perf en jouant sur mon PC direct comme ça. Ça, c'est déjà bien. Le seul truc qui me fait peur, c'est ouais que ce soit vomitif pour vous à regarder, en fait. T'enlèves ton casque et tu regardes le chat, Feignor. Ah bah alors là, le rythme du live va être catastrophique si on fait comme ça. Je te le dis tout de suite, hein. Allez, on sort de la prison, là. Oh la vache, putain, le stress. Putain, la vache, j'avais oublié ça. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Attends, trop bien cette phase là. Allez, suis-moi, Alix. Unité au sol. Assignation extérieure permanente si la mission échoue. Rappel code. Sacrifié. Cool. C'est bon, c'est fini. Sécurité. Ok. Ouais, okay. Ah, la mise en scène, elle a su... Mais c'est ce que je me tue à dire. Putain, pour un jeu qui est sorti en 2004, c'est une putain de dinguerie. Ah, la salope. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-ci, là? Je vous ai eu. Le doublage. Oh oh. Allez, venez, Gordon. On va pas la faire attendre. Oh oh. Après, c'était une époque où le doublage de jeux vidéo, en général... T'avais pas toutes les images quand tu doublais, c'était fait main. Je scelle cette porte. Du coup, je vais la canner, là. C'est le point de non. Alors, salope. Laissez-moi lui parler, Gordon. Ah oh bah oui, on veut entendre ça. On va entendre ça. Salut, Intello. Comment vas-tu? Ah oui, c'est une dinguerie. Mais c'est ce que je me tue à dire depuis le début du live. Hein. Enfin, on y a déjà joué lundi, mais... Dieu merci. Alors... Gordon? Mais comment vous êtes entré? T'es choqué de nous voir là, hein? Quoi? Vous êtes une espionne du cartel depuis le début. De quoi parlez-vous? Bon sang. Reculez, Mossman. On rentre. On va se la faire, celle-ci, je peux te le dire. Alors ? Je vous assure que j'ai tout fait pour protéger votre père. Fermez-la et estimez-vous heureuse d'être encore utile. On va reconfigurer ce téléporteur et foutre le camp d'ici. Oh, le doublage français. Nous sommes du même côté. J'ai déjà programmé le modulateur pour... Ah, ça me donne de l'urticaire, ça me gratte. Travail de mon père. C'est aussi mon travail. Et j'ai dû prouver au docteur Breen que votre père serait irremplaçable pour tout projet de recherche qu'on pourrait développer ici. J'en ai ras-le-bol de vos conneries. Gordon, voilà mon père. Pas mal, celle-là. Je vais le ramener. Vous avez trouvé Ellie? Pas grâce à vous. Entrez les coordonnées du labo du docteur Kleiner. J'aimerais bien entendre la VO, du coup. Je suis curieux d'entendre la VO. Je m'en occupe. Merci Boulizor encore une fois pour ton sub offert à Kéké du 01, c'est très très gentil. Les gars, serrage de main dans le chat s'il vous plaît. On a un nouveau là. Oh, ça va être encore du Tower Defense. La VO est bonne. Je me doute, hein. Elle peut que être meilleure que ça. Hein. Enfin là, le point noir, c'est vraiment Alix. Hein. Pendant combien de temps? Jamais. Jusqu'à présent. Mais je savais à quoi m'en tenir. J'en suis sûr. On dirait qu'il n'attend que nous. Qu'est-ce que ça, là? Le cartel utilise un réseau à impulsion particulier, au temps de montée très long. Il faut du temps pour le charger. Ah, vous avez préparé le terrain.
Ok. Juste à temps. Ça va être compliqué, hein. Par ici. Désolé, on a traîné. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Ne t'en fais pas pour moi, mon cœur. Il est tellement stoïque, son daron. Ils vous ont libéré, alors? Pas tout à fait. Ellie, j'étais tellement inquiète pour vous. Les coordonnées, Dr. Mossman. Allez, hop. Bon, ça va être encore un mode... une séquence où on va devoir défendre les autres pendant que le truc charge et qu'on se fasse téléporter. D'où est-ce qu'il sort, Dr. Kleiner, là ? Le système fonctionne pour la première fois. Vous êtes prêts ? Je ne saurais être plus prêt. Bon, on envoie d'abord mon père. Il est en position pour... Qu'est-ce que c'est ? Attendez, il faut éteindre ça. Oh putain, tu casses les couilles. Hein. Alix, sincèrement, tu gâches tout. Qu'est-ce que vous faites ? Oh non ! Je suis désolée, Alix. On n'a pas le choix. Non ! Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, mais c'est Wand of Gamelon, là. L'autre, il a un grand sourire aux lèvres et il dit « Qu'est-ce qui se passe, Alix ?» Allez, recharge-moi le bousin, là, Alix. Arrêtez-les. Arrêtez qui, très cher? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ces coordonnées? Mais où est-ce qu'elle l'a emmené? Couvrez-moi, Gordon. Je vais redémarrer le portail. J'y compte bien. Oh mon Dieu! Oui, c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure. Je vais les mettre en quadrillage, là. Voilà. Allez, c'est parti. Merci, Groldoraclos. C'est ton année! Merci beaucoup! Merci pour ton anniversaire. On lui sert, ça vaut un petit serrage de paluche, ça aussi, les gars. Hein. Ça va prendre combien de temps encore à charger cette histoire? En fait, c'est lui qui est chiant avec son pompe. Hein. Vraiment, c'est les plus chiants, eux. Oh, c'est presque chargé, j'ai l'impression. J'ai besoin de tes munitions, mon pote. Attends. C'est presque chargé, les gars! Que à mi-chemin? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas compris comment ça marchait. Bah là, j'étais tellement efficace qu'en fait, y'a plus personne qui va venir me tester, là. On va prendre un petit peu de vie. C'est bon? Allez, ferme ta gueule, s'il te plaît, Alix, là. J'espère que tu fais des efforts sur l'épisode 1 et 2, parce que sinon j'ai pas envie de te réentendre. Hein. C'est bon, là? On ronque, hein? À Mimir, là. On est presque. Y'a plus personne, en plus, là. Ça marche, Alix. Dieu merci, c'est fini. 4 ici. Allez, c'est parti. Si t'es si enjoué à l'idée de partir, moi je te suis. Hein. Okay, il n'y a pas à avoir peur. J'y vais. Allez, Gordon, rentrez. Bah, je suis dedans, c'est toi qui m'as poussé, bouffonne.
Oh putain, je les avais oubliés eux, ils sont terrifiants. Oh les gars, on va partir. Tenez bon. Dès que je la regarde, elle me fait peur. C'est bon, nous y voilà. De retour à Cité 17. Docteur Kleiner, faites-nous sortir. Y'a pas un délire de réalité secondaire où du coup c'est plus exactement pareil ? Alix ? Gordon ? Ciel ! Comment êtes-vous arrivé là ? Et quand ? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma chère, j'avais perdu tout espoir de vous revoir un jour. Je pensais qu'on n'y arriverait pas non plus. Le téléporteur a dû exploser quand on est passé. En effet. Et les répercussions ont été considérables, mais ça fait plus d'une semaine. Ouais, voilà. Comment ça ? J'étais là, avec Gordon, il y a une minute. Fascinant. On dirait qu'on a développé un téléporteur très lent. Cela ouvre une nouvelle piste d'investigation. C'est l'heure de refaire glitcher tout le monde, là. Mais alors, qu'est-ce qu'on a raté ? Putain, avec quoi je peux le faire ? Le coup porté à Nova Prospect a été perçu comme un appel au soulèvement. J'attends, hein. Et mon père, alors ? Eh bien, c'est assez troublant. À en croire les Vortigaunt, il est détenu à la Citadelle. On doit faire sortir mon père. C'est avec cette idée en tête que Barney a attaqué. Avance ! Putain, ça marchera plus, hein. Je sais plus comment j'avais fait pour le faire, hein. Il y a quelques jours. Chien, tu as réussi ? Ah, toutou ! Je sais plus dans lequel épisode d'Half-Life 2 on le retrouve le chien, genre pendant longtemps, il est avec nous super longtemps. Ah, Barney. Vous êtes là ? Oui, Barney. Et je ne suis plus seul. Alix et Gordon viennent d'arriver. Ah, bonne nouvelle. Je croyais que vous étiez perdu. On va choisir un point de rassemblement pour attaquer la citadelle. Gordon et Chien peuvent vous guider. Je vais mettre le Dr Kleiner. Toujours les mêmes, de toute façon. C'est toujours moi qui fais la merde. Oh merde ! Ils arrivent ! Allez, plus vite ! Ok, Gordon, vous avez entendu. Je vous rattrape dès que j'ai mis le Dr Kleiner à l'abri. Juste un instant. Ah, putain. Je ne peux pas partir sans la mort. Oh non. Où est-il passé ? Tu vas bugger, espèce de jeu de merde. Vas-y, Gordon, je m'en occupe. Ça veut plus marcher ! Attends, il faut que j'aille où, là, du coup ? Attends, Alix, j'arrive. Non mais la VF du docteur, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est ok, hein. Quelque part par là. On vous trouvera un autre crabe de tête. Il y en a plein par ici. Il n'y a qu'un seul, Eddie. Contrairement à l'autre, là, je suis désolé, mais... Le docteur, il a une VF qui est plutôt cool, hein. Allez, là on est bon. Attends, chien, 2 minutes. Ok, c'est parti. Retour à Cité 17. Voilà, et là c'est la merde. Le nombre de... Oh là, on va y avoir plein de striders et tout, ça va être... Ouais, bah vas-y. Fais-toi plaisir, chien. Merci beaucoup, le loser, pour ton 3e mois d'abonnement. Oh putain. Efficace. Ça dégage. Qu'est-ce que vous branlez là, vous ? Et il faut combien de balles pour que tu meurs, là ? Oh ! Et décidez, le bonhomme, hein. Où est-ce qu'on doit aller ? C'est là ? Je me rappelle même plus. Ouais, ça a l'air d'être là. Merci, chien. Ok, et là, c'est la merde.
Ah, les appartements pourris aussi là, ça m'avait pas manqué. Merde, il fallait que je regarde quelque chose. Oula. Attends, si ça se trouve, je me suis softlock là, encore. Ah. Bah. C'est que j'y comprends plus rien, moi, là. Attendez, je suis au mauvais endroit. Ah non, c'est ici. Voilà. Ça paraît tellement pas praticable que... Ok, on y est. Et si vous vous souvenez, les gars, c'est là qu'on était arrivé. Je crois, hein. Au tout début du jeu, en arrivant à Cité 17. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Allez, là, on va retrouver la gare. Putain, l'ambiance, elle est tellement bien dans la ville. En mode guerre civile. C'est moi. Docteur Freeman, on vient avec vous. Grâce à vous, Docteur Freeman, on va enfin pouvoir avancer. Ok. C'est parti, Doc. Du coup, maintenant, on a une unité avec nous. Parfait. Bah écoutez, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Parce que là, du coup, on a la deuxième partie du let's play. La prochaine fois qu'on y joue, c'est clairement la fin. Il doit rester 2 à 3 heures de jeu environ, je pense. Hein. Je vais faire quand même le fight là. Voilà, on est bon. Je vais sauvegarder ici. Ah bah en vrai, on aura bien avancé. Je pensais même pas qu'on arriverait jusqu'ici aujourd'hui. Va voter, Hugo. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, sinon je vais pas pouvoir. Ah, attendez, j'ai sauvegardé. Oui, c'est bon, j'ai sauvegardé. Franchement, petite dingue, hein, quand même, hein, le jeu. Hein. Petite dinguerie. Hein. Ça fait du bien d'y rejouer. Hein. Ça vous a plu aujourd'hui, là, l'épisode? Il s'est passé beaucoup plus de trucs que la dernière fois. En fait, par rapport à la dernière fois, on a peut-être un peu plus castagné. La dernière fois, c'était plus de découverte du scénario et tout. Mais j'aime bien cette partie du jeu. Je m'attendais à ce que la partie en voiture se soit beaucoup, beaucoup plus long. Au final, je suis content qu'on ait fait ça vite. Le souci, là, c'est que je crois que cette partie-là, elle est assez costaud. Et la partie entre ça, la fin de cette partie et la fin, elle est un petit peu chiante de souvenir. Mais bon. On va voir. Ou alors je confonds peut-être avec épisode 1 ou épisode 2 avec un truc. Dimanche prochain la suite? Exactement. On fera la fin dimanche prochain. Bah du coup les mecs, moi je sais pas quand est-ce que je vous retrouve la prochaine fois. Demain c'est sûr et certain je ne peux pas. Mardi peut-être, je dis bien peut-être. Et après normalement c'est bon. Normalement c'est bon, mercredi et le reste de la semaine on devrait pouvoir stream tranquille. Mais en fait lundi et mardi je vais être occupé, ça c'est sûr. Peut-être mardi, mais vraiment mettez pas une croix dessus parce que c'est pas sûr du tout. Mais dimanche prochain en tout cas Half-Life et je sais pas ce qu'on fera en attendant. Hein. On verra. Hein. On verra. Mercredi sur Terraria. C'est bien parce que t'es modérateur et je sais que c'est chiant de te Théo parce qu'après je suis obligé de te remode sur la chaîne. Mais sinon j'aurais pas hésité Marcel. Je te sache que j'aurais pas hésité. Bon j'espère que le live d'aujourd'hui vous aura plu du coup les mecs. Bon en tout cas c'était un plaisir de faire ça. Et on va vous tenir au courant avec Grim si on fait ou pas le... Si on fait ou pas la Trackmania Cup. Je pense que ça peut être marrant en vrai. Hein. Mais on va voir, on va voir. En tout cas, il va falloir qu'on s'entraîne, ça c'est une certitude. Parce que bon, le niveau du Bookzer, à mon avis, ça va être quelque chose. Moi, normalement, ça devrait aller. Ce sera du perfectionnisme et de l'apprentissage des maps. Mais lui, bon, il y a tout à faire chez ce mec-là, vous savez, de toute façon. Bon, bref, la VOD arrivera très très vite, je pense. Je vous fais des gros gros bisous. Merci à toutes celles et ceux qui sont sub, resub ou bien qui ont offert des subs aujourd'hui. Notamment Boulizor. Hein. Je sais pas si je vous ai remercié, les Grolls de Raclo, Pelpez. Je sais pas si je t'ai remercié aussi. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous fais des gros gros bisous. Des gros bisous. Et du coup, on se retrouve mardi au plus tôt, mercredi au plus tard, ça c'est sûr. Hein, d'accord? Allez, des gros bisous les mecs. J'espère que le stream d'aujourd'hui vous a plu. Passez un bon dimanche. Et Inch'Allah. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus de toute façon, hein? Soyez gentils, faites attention à vous les mecs. Salut mon pote!